Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, voici un nouveau cours de hongrois. Alors, ça va être un petit peu spécial parce qu'on va apprendre un truc un petit peu bizarre. C'est-à-dire, oh, là-bas, il y a plein de femmes. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Il y a un nœud ou des femmes? Alors, je sais qu'en français, ça fait un peu bizarre. Mais en hongrois, en fait, vous allez voir que c'est un petit peu des significations. Pour le même mot, on a des significations différentes. Alors, quand on dit « Oh, là-bas, il y a plein de femmes », on fait « Oh, ott van egy csomó nő ».« Ott van », donc « ott », c'est là-bas. « Van », c'est « il y a ».« Ott van », »,« egy », c'est « un ».« Csomó », c'est « plein ». Et « de femmes », »,« nő ».« Oh, ott van egy csomó nő ». Oh, là-bas, il y a plein de femmes. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Mi van ott? Mi van ott? Donc, mi, c'est quoi? Van, c'est il y a. Ott, c'est là-bas. Mi van ott? Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Un nœud? Egy csomó? Ou des femmes? Vagy egy nő? Je sais, c'est un petit peu compliqué. Même moi, quand je le dis, je me dis, mais qu'est-ce que je raconte? Alors, donc, egy csomó, c'est un nœud, d'accord? Mais egy csomó, ça peut aussi vouloir dire plein, plein de. Et des femmes, en hongrois, ou une femme, ça se dit nœud. Donc, je ne sais pas si c'est clair, mais le nœud, c'est une femme, et le nœud, c'est un csomó. Voilà. Je sais, c'est bizarre, voilà, mais c'est comme ça, d'accord? Donc vous le retiendrez, j'en suis sûre et certaine. Plein de... Et les femmes, ça se dit ne, chomo, enfin voilà, je mélange tout, ça y est, c'est parti en vrille. Bon, bah écoutez, j'espère que vous avez tout compris. Je sais, c'est un peu compliqué, mais bon, je le redis une dernière fois en hongrois. Oh, ott van egy csomó nő. Mi van ott? Egy csomó vagy egy nő? Vagy egy ou bien une nő, femme. Mi van ott? Egy csomó vagy egy nő? Hát. Hát, ça veut dire eh ben. Hát. Egy csomó, un nœud. Et egy nő, et une femme. Vagy egy csomó nő, ou bien plein de femmes. Je sais, c'est tôt le matin. Pas sûr que ça rentre bien, il va falloir que vous la regardiez plusieurs fois pour comprendre. Même moi, je me dis, mais franchement, ça va quoi. Ouh, 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 le cerveau va loin. Je m'éclate. Bon, allez, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée. Et à très bientôt pour un nouveau cours de hongrois. Ciao, bye bye.